Ces marteaux-piqueurs démolissent la statue de Muzinho de Albuquerque, un des héros de l'épopée portugaise en Afrique. C'est la fin d'une colonie. Il y a 5 siècles, les caravelles mouillaient déjà dans la baie de Lourenço Marques, escale sur la route des Indes. Le Mozambique est resté jusqu'à l'an passé l'un des derniers bastions de la suprématie blanche, adossé à l'Afrique du Sud et à la Rhodésie, qui s'inquiètent aujourd'hui de voir leurs voisins accéder à l'indépendance. Portugais s'étaient établis au Mozambique, souvent depuis plusieurs générations. Ils avaient trouvé là une nouvelle patrie, plus prometteuse que le trop pauvre Portugal. Concentrés dans les villes, ils ont fait de Lourenço Marques une ville très européenne. Il y a quelques mois, les promoteurs se lançaient encore dans la construction de gratte-ciel clinquants. La guerre de libération a pourtant commencé il y a plus de 10 ans, mais les combats au fond de la brousse paraissaient lointains à cette population confinée derrière l'écran rassurant du béton. Et voilà que les guérilleros se promènent avec leurs mitraillettes russes et leurs espadrilles souples sur les grands boulevards de la capitale. Voilà que ces combattants, jusqu'alors présentés comme de vulgaires terroristes, prennent en main le sort du pays. Très vite, ils ont fait comprendre que l'indépendance ne signifiait pas, comme pour tant d'autres nations africaines, un simple transfert de pouvoir. C'est bel et bien une révolution qui a commencé au Mozambique. Samora Machel, le président du Frelimo, le répète souvent, il s'agit maintenant de nettoyer le pays des séquelles du colonialisme. En attendant, on arrange la ville pour la fête qui sera célébrée le 25 juin. En pleine rue, dans les bureaux, dans les usines, les journaux muraux rédigés par les groupes dynamisateurs du Frelimo proclament les mots d'ordre du nouveau pouvoir. L'un des symboles les plus visibles de l'héritage colonial, le quartier des plaisirs de Lourenço Marques. Soldats, marins et touristes sud-africains défilent dans des bars sordides, remplis de prostituées. Le Frelimo ne patrouille pas dans les rues chaudes. Il s'apprête sans doute à y opérer un grand coup de balai. Pour l'instant, ce sont encore les soldats portugais qui maintiennent l'ordre, sans grande conviction. Ces hommes enfermés dans un panier à salade viennent de la capitale. Ils arrivent dans un camp de rééducation du Frelimo, en pleine brousse, qui remplace la prison traditionnelle. Les délinquants doivent apprendre une vie nouvelle. La méthode est originale. Les détenus jouissent d'une semi-liberté. Chaque week-end, ils peuvent aller dans les villages voisins. Ils ont droit à des vacances auprès de leur famille. Et surtout, ils sont mêlés à la population locale. Ils travaillent au champ avec les paysans de l'endroit, réunis dans les mêmes coopératives agricoles. Une 20aine de soldats du Frelimo suffisent à surveiller les 200 hommes de ce camp. Certains s'évadent, mais ils sont généralement vite retrouvés. Les récidivistes sont enrôlés dans l'armée, où la discipline est beaucoup plus stricte. Ok. Epa! Já mais não precisa estar no dia. Leva, viu? Tira tudo que sai dentro.
C'est un gosse du village qui actionne la pompe. Les détenus sont invités à s'intégrer dans la communauté et, s'ils le désirent, à s'y implanter définitivement. L'école, par exemple, réunit les hôtes du camp et les enfants de la région. Eu vou dizer, estão aqui e aqui é campo de educação política e descolonização mental. Porque muitos moçambicanos estão colonizados mentalmente. Agora, se é campo de educação política, esperamos que todos estejam ou estejamos engajados. Na revolução, não é verdade? Nós não queremos que o indivíduo obedeça cegamente, não. Mas é preciso, porque uma sociedade sem normas não é sociedade. Ora, a nossa sociedade é uma sociedade de povo. Cada qual está livre, tem direito à expressão. Tem direito à expressão, pode reclamar aquilo que não estiver justo, apresentando as suas razões. É por isso que na nossa linha admitimos críticas e autocríticas. O nosso papel aqui é de dar comida, não é? Dar lugar para dormir, não é verdade? É educar. 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 E fazer com que estejamos todos unidos. Mas também temos que trabalhar. Não são trabalhos forçados, não são. Trabalhamos à vontade porque é para o bem de quem? É para o nosso bem. Naquela altura nós trabalhávamos muito. Aqueles que trabalhavam, trabalhavam para uma minoria. Não é para todos. Era para uma minoria. Que essa minoria, então, não se preocupava pelos serviços. Ficava ali, mas só andava aí a mostrar pelo dedo. Mas agora não. Todo aquele que se vai dedicar ao trabalho vai ver os seus produtos. Porque ninguém vai o explorar. Não é verdade? Já. Vamos trabalhar para o nosso bem. A gente que temos aqui neste campo são marginais. Marginais esses que eram indivíduos que não queriam trabalhar, iam concentrar-se nas cidades para praticarem a bandidagem, vadiagem, e roubavam e andavam a bater pessoas para poderem arrancar o dinheiro que é para a sua manutenção. Pois, como não estivessem a trabalhar, não tinha o meio de subsistência, né? E para tal era preciso que então roubassem ou então agredissem indivíduos para poder ter o dinheiro que é para poderem comer. Tem também presos políticos? Aqui, presos políticos, temos alguns que são aqueles que não compreendiam a necessidade de estarmos independentes. E assim, então, nós achamos que esses todos deviam vir aqui para serem reeducados. Mas estes reacionários fizeram delitos? Esses reacionários fizeram delitos porque andaram a incitar precisamente a esses bandidos que não trabalhavam e criar o racismo para que, então, estes matassem brancos, por exemplo. Diziam que o branco é que é o nosso inimigo. Nós vamos matar o branco porque a Frelimo quer assim. Estamos a ver se podemos conseguir
instalações brevemente para poderem vir cá também mulheres. Na mesma região? Na mesma região, porque isso queremos acabar com a prostituição. E vamos separar um pouco. As mulheres, quando vierem, hão de estar ali a uns 500 metros. Terão o seu campo de reeducação. Sim, a oportunidade de deslocar-se de um campo a outro. Podem deslocar-se. Podem deslocar-se. Não podemos pôr barreiras, porque são indivíduos livres que podem fazer e ir onde quiserem. Ai, o que sai ali já com o Kujuleka Rienja aí, né? Com a Rienja, que era tico. Kujuleka Riva, nem unidade. Kujuleka, com a Ridonja, com a Ridiva, com a Rienja, que era tico, não sei. A história é que ele tico, né? Ele corriamos que ele tico, continuava com a retisa. Retisa ele é tico adreso. E com a retisa, engana, nem com gana, ganeca. E com a retisa, com a retisa. Le colonialisme a fait de la femme mozambicaine une putain ou une esclave. Nous devons maintenant nous libérer, enterrer sous le sable les séquelles du passé. Ce discours est tenu par une militante de l'organisation des femmes mozambicaines, un des instruments du Frelimo, pour politiser et dynamiser, comme on dit là-bas, l'ensemble de la population. Liberté, l'indépendance, que veulent dire ces mots pour ces femmes? Elles cassent des noix de cajou pour en tirer les amandes que grignotent à l'apéritif les consommateurs des pays riches. Ces ouvrières sont 1400 dans une seule salle. Elles gagnaient 2 francs 30 par jour. Leur salaire a été doublé l'an passé. Cela contraint l'entreprise, actuellement gérée par l'État, de mécaniser cette opération. Mais elle devra veiller à augmenter la production pour assurer le reclassement de tout le personnel dans d'autres secteurs moins pénibles de la fabrication. Le nouveau pouvoir est déjà confronté à ce terrible défi, maintenir la productivité et en même temps améliorer la condition des travailleurs. Ah, on va se faire, on va bien.
Ces hommes et ces femmes prennent conscience peu à peu que quelque chose est en train de changer. Ils sont pratiquement tous analphabètes et beaucoup ne parlent même pas le portugais. Or voilà qu'à la pause de midi, on leur offre des cours d'alphabétisation. On leur interdisait de se rassembler pour chanter et danser par crainte de la subversion. Voilà qu'ils sont invités maintenant à retrouver leur culture traditionnelle pour célébrer dignement l'indépendance. Toutes ces activités sont organisées par le groupe dynamisateur de l'entreprise, élu par l'Assemblée des travailleurs. 7 responsables se répartissent les tâches. Raphaël est chargé de la mobilisation à la fois politique et sociale. Enrique est secrétaire, c'est lui qui fait la liaison avec le siège central du Frelimo. Paulino s'occupe des problèmes sociaux. Pour la première fois, les travailleurs trouvent quelqu'un à qui exposer leurs soucis et leurs souffrances. Il est aidé dans cette tâche difficile par Maria, portugaise, mais née au Mozambique et décidée à y rester. La communauté doit prendre en charge les difficultés individuelles de chacun, enseigne le Frelimo. Justino a la responsabilité de l'éducation. Comme les autres enseignants improvisés, il consacre 4 heures par jour à l'alphabétisation, en plus de son horaire normal de travail. Marcos doit assurer l'information des travailleurs. Il transmet fidèlement les consignes définies par le Frelimo. Quant à Jaime, il a la charge des activités culturelles, principalement les danses et les chants africains, mis au diapason de la Révolution. O trabalho de alfabetização já começou nesta fábrica? Já começamos, mas temos uma dificuldade que é dos monitores, que somos poucos. Quanto? Somos 11 e temos 2.500 analfabetas e não conseguimos o trabalho assim. Né? Mesmo assim, andamos com o trabalho e falta de vontade há muitos que sabem, mas não querem colaborar. E assuntos sociais? Quais são os problemas mais corrientes que se encontram? As doenças que se vão verificando nas nossas camaradas de trabalho, que automaticamente não vêm ao serviço, assim como a parte de assuntos sociais no que diz respeito à creche, que são os filhos das nossas trabalhadoras. Na escola, assim como no local de recreio, para eles estarem entretidos durante o dia, ocupados, não é? Durante o dia. Estamos já a fazer uma pequena machamba, onde eles têm estado a semear produtos agrícolas, que é para também depois terem a colheita desses produtos agrícolas e far-se-á uma refeição da colheita desses mesmos produtos. E outros problemas mais? Os problemas que têm se verificado muito, não faltarem muito ao serviço e apresentarem dificuldade de transporte, moram longe e outros não têm possibilidades nenhumas. E por isso é uma das falhas que tem se notado muito dentro da empresa. Arthur Sauter é pasteur, suisse de surcroît. Cela n'empêche pas de faire partie d'un comité de district du Frelimo. Nous avons des groupes dynamisateurs, provisoirement, donc des comités de main, au niveau de la localité, du district, de la province, et au niveau de la nation, évidemment, le congrès. Au niveau de la localité, qui peut être divisée encore en cercles, le groupe dynamisateur a différentes responsabilités qui représentent ce que nous aurions en Suisse dans une structure de municipalité. Sur le plan districtal, nous avons une administration avec un administrateur, police, juge, mais le groupe dynamisateur est le représentant du parti. En fait, c'est la voix du peuple auprès de l'administration.
C'est par ce moyen-là que les membres de la population, c'est-à-dire les masses, ont l'occasion d'exprimer ce qu'elles veulent et leurs appréciations quant au travail de l'administration. Donc le pouvoir dans le Mozambique nouveau ne sera pas confié au gouvernement seulement, mais à tout cet appareil du parti qui est mis en place actuellement. Le pouvoir est aux mains du parti qui donne des instructions au gouvernement. Comment vous expliquez que le Frelimo soit parvenu si rapidement à implanter sa structure? En partie parce que la population était déjà politisée, était prête, disons, à les recevoir. Elle ne savait pas ce que pensait le Frelimo, en bonne partie, mais a reçu le Frelimo avec soulagement, parce qu'il y a des années, que, en tout cas dans notre région, que la population attend l'arrivée du Frelimo. Que savait-on du Frelimo avant qu'il arrive? Qu'il s'opposerait à ce qui se passait à ce moment-là. C'était un élément négatif par rapport à la situation coloniale. Et puis, dans notre région, il y a peu de familles qui naissent un fils ou une fille au Frelimo depuis des années. Joana préparait la fête de l'indépendance. Qu'est-ce que c'est l'indépendance? Qu'est-ce que c'est? C'est la liberté du peuple mozambicain. Vous avez compris? Hein? Alors qu'est-ce que c'est l'indépendance? C'est la liberté du peuple mozambicain. Et qui est l'ennemi? C'est la personne qui ne travaille pas pour le progrès de notre pays. Vous comprenez ça? Oui. Alors écrivez à vos cahiers. Maintenant. La révolution touche aussi les écoles. On cesse bien sûr d'y parler de nos ancêtres les Portugais. On enseigne désormais assidûment la ligne politique du Frelimo. Et ce n'est pas tout. Les tables sont rapprochées, le travail de groupe est systématisé. L'introduction des méthodes pédagogiques modernes est imposée dans toutes les classes du pays. Les maîtres n'ont pas toujours eu le temps de les assimiler, mais la volonté de changement est manifeste. Combien de professeurs sont-ils partis dans ce lycée, par exemple? Beaucoup. Je ne sais pas même la compte juste, mais je crois qu'une vingtaine, une trentaine, sur peut-être. Sur une soixantaine de professeurs? Et oui, à cette école. Pourquoi sont-ils partis? Bon, il y a beaucoup de raisons. Mais je crois qu'ils n'ont pas de courage pour travailler bien pour le peuple mozambicain. Peut-être qu'ils ne sont pas mozambicains. Ils ne sont pas mozambicains, alors ils partent. Vous allez rester? Oui. Et vous êtes portugaise? Je suis portugaise, mais j'adopterai la nationalité mozambicaine si les mozambicains le veulent. Et comment allez-vous remplacer tous ces professeurs qui sont partis? Notre directeur a introduit quelques professeurs. Où les a-t-il trouvés? Ils sont des étudiants de l'université. Alors, ils nous sont bien préparés, mais ils contactent avec nous, les autres qui ont beaucoup, un peu plus d'expérience, et alors ils font quelque chose, ils enseignent. Pour vous, le travail est-il plus facile ou plus difficile depuis le septembre passé? Pour moi, le travail, c'est toujours un peu difficile, mais je crois que je travaille avec un grand enthousiasme, alors le travail n'est pas trop fatigant. Vous travaillez plus qu'avant? Ah bien, plus qu'avant, parce que j'ai tous les heures des réunions, des classes, des causeries avec les élèves. Alors, c'est un travail intensif, un travail lourd. Tout est nouveau. Les écoles sont autogérées par des conseils d'élèves et de professeurs. En outre, aux heures de classe viennent s'ajouter les travaux pratiques obligatoires. Entretien des bâtiments, jardinage, élevage de poules et de lapins. L'éducation est un objectif prioritaire pour le Frelimo, mais la tâche est immense. La population du Mozambique est analphabète à 90%. Il s'agit non seulement d'apprendre à lire et à écrire, mais de le faire en portugais, que la plupart des gens ne parlent pratiquement pas. C'est la langue du nouveau Mozambique. Le Frelimo trouve là un indispensable facteur d'unité dans cet immense pays, grand comme 2,5 fois la France, peuplé de 9 millions d'habitants, qui parle plus de 5 idiomes principaux.
tout est à faire. Dans ces bidonvilles comme dans les campagnes oubliées, les Mozambicains se sont éveillés à un grand espoir. Mais le nouveau pouvoir leur apprend aussi que les écoles, les équipements sociaux, les emplois ne surgiront pas du néant. Un peu à la manière chinoise, la population est invitée à prendre son sort en main et à trouver des solutions communautaires. Chaque soir, dans les bidonvilles, on se réunit spontanément pour des cours d'alphabétisation improvisés à la lueur des lampes à pétrole. Fome. Digam todos comigo. Fome. Muito bem. Quando vocês dizem esta palavra, abrem a boca quantas vezes? Quantos bocados terá essa palavra? Tem dois bocados. Ah, tem dois bocados. Qual será o primeiro bocado aqui? Fó. Fó. Escrever a família do Fá, Fé, Fi, Fó, Fu. Quem quer vir? Pode tirar o giz, começa a se escrever. Isso mesmo. Agora, a camarada Palmeira vem cá para o quadro para escrever a família do segundo bocado, hein? Escreve lá a família do segundo bocado. O resto vocês viram como se escreve, não é? Sim. Então pronto, ela vai fazer agora o segundo bocado. Mame mi momo. Ya. Le Frelimo souhaite que l'alphabétisation aille de pair avec la conscientisation politique. Mais la demande est si pressante que les moniteurs n'ont guère eu le temps de se former, les livres ne sont pas imprimés, alors on se débrouille et l'on ressort les vieux bouquins d'école. Está muito certo. Agora vamos tentar ler todos essa coisa que foi escrita aí. Repete todos comigo aqui. Fá, Fá, Fé, Fé, Fi, Fi, Fó, Fó, Fu, Fu, Fá, Fá, Fé, Fé, Fi, Fi, Fó, Fó, Fu, Fu. 80% de la population mozambicaine vit de l'agriculture. Les paysans sont dispersés sur d'immenses surfaces et travaillent avec des moyens rudimentaires. Mais les militants du Frelimo, formés par les années de guerre en brousse, sont plus à l'aise sur ce terrain qu'en ville. Ils ont su très adroitement trouver le langage des paysans. Cette vieille femme fêtera, elle aussi, le jour de l'indépendance. Qu'est-ce qui a changé pour elle depuis que les Portugais sont partis? Utsunchekile, chichincha yi, utikwa yi. Utsunchekile, ni situa kushonga. Kulemeleji, hinga kusoni li. Anfumulu, hinga naulu. Huvona kushonga. Elle voit que c'est beau parce qu'ils sont libres. Parce qu'ils sont libres. Kushonga. Elle dit trois fois qu'elle voit que c'est vraiment beau. Cette paysanne ramasse ses arachides. Faute d'irrigation, le rendement des cultures est capricieux. Pour elle, la liberté passe par quelques progrès techniques élémentaires. Elle passe aussi par l'abolition de certaines brimades coloniales. Du temps des Portugais, par exemple, il arrivait que les paysans doivent travailler gratuitement quelques jours par mois pour les fonctionnaires de l'administration locale. Du temps des Portugais, il avait déjà entendu parler du Frelimo. Fa utile Frelimo kale anche veniva va magi. Comment? Ai ni utile. Passing la camarade. Par la radio. C'était interdit d'écouter la radio. Cambe va pour ma langue va magi kuyinga la radio. Tonga pomere cambe bai aussi quene. La nuit. Inset. Et arrive à écouter quand même. Qu'est-ce qu'on risquait si on se faisait attraper à écouter la radio? Vanga ambayini va magira como va mikuma na minga la radio. Oh, falo kumewa, isso aka javanwana vanwanyana va daiwile kuna kale. Et que na même qu'on a été tué à cause de ça, mais en tout cas, ils les mettaient en prison quoi, ils les sortaient de leur village, ils les mettaient en prison. Mais est-ce que les Portugais venaient jusque dans les villages reculés comme ici? Va magi fa va tlasa kutla, ku fana ni ale no noveni. Papa beka spion, va comme la. Ils mettaient des espions africains. Il fallait donc se méfier de tout le monde.
Inquejo et Chaville, inquejo. Inquavo. Tout le monde avait peur de tout le monde, ça c'est sûr. Est-ce que sa vie a changé depuis que on sait qu'on va vers l'indépendance? Avutomi Braco, Vichin Chiwile, Kusukela 7 de septembre, l'embele, Jikutivale la Goya, ka indépendance. Sintin Chiwile, ça se fait, voilà qu'on y a, tu as contre une chèque, à Scotta ou Boule, à Scotta ou Tanga, et à Scotta la Gonne, et à Sibiru. Il dit que ça a beaucoup changé parce que maintenant ils sont libres, ils arrivent, ils peuvent parler, ils peuvent chanter.